Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, qui a eu lieu jeudi à Abidjan, la capitale ivoirienne, a donné lieu à des rencontres passionnantes lors de la phase de groupe. L'Égypte affrontera le Ghana, l'Algérie sera opposée au Burkina Faso et le Maroc jouera contre la Zambie, tandis que la Tunisie rencontrera le Mali, ce qui promet des matchs intéressants lors de la phase de groupe. Le tirage a créé des groupes équilibrés avec la Côte d'Ivoire, pays hôte, affrontant le Nigeria dans un match phare de la compétition et le Sénégal jouant contre le Cameroun dans une autre confrontation passionnante du groupe 3. Voici les groupes complets de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Groupe A, Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. Groupe B, Égypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique. Groupe C, Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie. Groupe D, Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola. Groupe E, Tunisie, Mali, Afrique du Sud, Namibie. Groupe F, Maroc, République démocratique du Congo, Zambie, Tanzanie. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 débutera en Côte d'Ivoire le 13 janvier 2024 avec la finale prévue pour le 11 février de la même année. Nous souhaitons la meilleure des chances au Maroc et à tous les autres pays participants dans la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Que le tournoi soit une célébration du football africain et que le Maroc brille sur le terrain. Allez les Lions de l'Atlas !